Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter la dernière JDG Box. Oui, ça fait un moment que je l'ai reçue, mais j'avais pas eu le temps, courage de faire une vidéo. Donc, et ben, c'est parti. Donc, dans cette JDG Box, je me souviens plus du s'il y avait un thème ou quoi. Bref. On va commencer par le premier qui me tombe sur la main. Donc, il s'agit d'un manga, donc l'Attaque des Titans, le tome 1. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée, sauf qu'il me semble que, je sais pas si c'est le tome 16 qui vient de sortir, mais voilà. Bah, moi, je l'ai déjà, du coup. Donc, bah. Je sais pas si je ferai un concours, si je l'offrirai à quelqu'un pour qu'il découvre, mais voilà. Donc très bonne idée, mais vu le nombre de tomes qui sont déjà sortis, on peut s'attendre que beaucoup de gens l'ont déjà. Ensuite, j'ai une petite. Oui, c'est un porte-clés, donc c'est les Pocket Pop de. Donc là, c'est ce Doctor Who. Donc voilà, et donc il s'agit du 10e docteur. J'ai regardé 3 épisodes de Doctor Who, donc voilà. Je pense qu'un jour je m'y plongerai, mais j'avoue que le nombre de saisons me fait un peu peur. Ensuite, donc une autre, on va dire une autre figurine, mais bon. Une figurine de Marvel. Donc là, j'allais dire une bêtise. Donc j'ai lequel moi? Donc je vous montre. Si vous voyez bien. Voilà. Donc il se. Il n'y a même pas marqué celui qu'il s'agit. Si. C'est pas ma. Bref. Donc j'ai un personnage de Marvel, pas un populaire, donc un peu déçu. Mais bon, ça c'est le hasard, hein. Ensuite, quelque chose de assez marrant, mignon, voilà. Donc c'est un. Alors moi j'ai eu la version rose. Assez contente et donc je vais vous montrer. Alors, hop. Oui, je ne l'avais pas ouvert. Donc, je vous le représente. Donc, il y a une sangle pour l'accrocher. Donc, je vais en accrocher plusieurs. Et donc, je peux la décapiter. Si je peux. Ah oui, je peux lui retirer ses jambes. Donc, c'est une clé USB. Donc, je ne sais pas si on. On voit bien. Alors, si. Et donc, du coup, on peut mettre une micro SD dedans. Voilà. Après, ici, il y a les petits bras. Ouais, les poignets. Les petits bras qui s'ouvrent. Et donc, là. Non. Alors, attendez. Ah oui. Il fallait juste que je tourne plus. Ah oui, c'était un peu collé le mien. Et donc là, il s'agit d'un stylet. On remet tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est marrant.
Ensuite, alors, comme d'habitude, un magnète. Je les aime beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est un Stormtrooper en habit militaire. Donc voilà, il est assez marrant. Ensuite, on a vu le Urban News. Voilà. Donc en fait, il y a le poster de Batgirl. Et donc toutes les parutions, juillet, août, septembre. Donc il y en a pas mal. Et pour finir, donc cette fois-ci, il y avait un t-shirt. Donc, comme vous le savez, je préfère prendre une taille pour mon homme. Au moins, je suis sûre que la taille sera correcte. Donc là, hop, je trouve assez sympa. Voilà. Donc voilà pour cette dernière JDG Box. Alors, j'ai envie de dire que comme à chaque vidéo, à chaque fois que je vous présente une JDG, je suis mitigée. Donc il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins. Comme à chaque fois, j'oublie d'annuler mon abonnement et qu'il est trop tard. Donc j'attends la prochaine. Là du coup, ben, je me dis qu'il va y en avoir une et la prochaine, ça sera celle de Noël. Donc généralement, elle est un peu plus importante. Et puis bon, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai de la chance et je recevrai la grosse JDG. Bah oui, toujours de l'espoir. Bref, donc voilà pour cette dernière JDG Box. Dans l'ensemble, voilà, ça reste, je suis enfin ni déçue parce que j'ai eu des trucs assez sympas. Je suis toujours contente parce qu'il y a le magnète et ça continue ma collection et que j'aime beaucoup. Le t-shirt est très chouette. La petite clé USB, c'est toujours utile. En plus, là, il y a un lecteur de cartes, donc c'est toujours pas mal. Voilà. Après, les figurines, j'ai pas souvent de chance, mais du coup, comme avec mes deux collègues, je crois qu'on n'a pas non plus été tous satisfaits des figurines qu'on a eues cette fois-ci. On pensait faire des échanges et je crois que ça va pas se faire parce que les figurines qu'on a eues ne plaisent pas forcément aux autres. Donc voilà. Disons que j'ai un de mes collègues qui a eu, je crois, la rose aussi. Donc dommage. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, si vous avez d'autres box à me conseiller, n'hésitez pas. J'aime beaucoup recevoir des cadeaux, même si je suis mitigement, bien sûr. Si je suis souvent mitigée, en fait, du contenu. Mais bref, c'est la surprise et j'aime beaucoup être surprise. Donc voilà. Allez, trêve de bavardage. À la prochaine. Bisous!